Salut à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve sur une nouvelle vidéo d'achat-revente avec les différentes techniques. Je voulais faire un peu sous le format court pour essayer d'être le plus précis possible et le plus exhaustif possible. Je sais que c'est pas toujours évident de tout comprendre lors d'une vidéo, donc là j'ai eu envie de vous l'écrire pour que vous puissiez voir. Je vais vous faire une partie vidéo pour essayer que vous puissiez comprendre également tout, vu que c'est assez contraignant de tout retenir et que ça sert à rien de vouloir faire 19 techniques à la suite. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis limité à deux techniques sur cette première vidéo et j'en ferai deux autres pour pouvoir essayer de voir tous les concepts de l'achat-revente, en tout cas toutes les techniques qui existent et tout ce qu'on a déjà parlé. Donc on va commencer par la plus connue, la technique avion. Pour cette technique, ce qu'ils font en priorité, c'est avoir 17 entraîneurs or rare. Ça, c'est le minimum. Tout simplement, il y a un coefficient multiplicateur qui permet, lors des contrats avec des entraîneurs or rare, d'avoir 3% supplémentaires. Vu que le coefficient multiplicateur s'arrête à 50% et que chaque entraîneur or rare vous rapporte 3% au niveau de la négociation de contrat, c'est assez simple de faire le calcul. Pour être à 50%, 3 fois 17 ça fait 51, comme ça vous êtes un tout petit peu au-dessus, vous pouvez pas arriver juste à 50% et ça vous permet d'avoir un coefficient multiplicateur au maximum et ainsi pouvoir bénéficier de contrats supplémentaires. Par exemple, les plus gros contrats, ceux à 28, ça va vous permettre, au lieu d'avoir que 28 contrats quand vous allez l'appliquer à votre joueur, vous allez en avoir 42, ce qui va permettre d'économiser un nombre important de contrats que vous allez acheter pour cette technique-là. Donc ça, c'est vraiment la première prérogative à avoir, c'est 17 entraîneurs or rare si vous voulez utiliser cette technique-là, sinon vous allez perdre de l'argent avec les contrats. Ensuite, il faut regarder le joueur souhaité à son prix le plus bas en achat immédiat. Donc c'est simple, vous allez sur un achat immédiat, vous rentrez le nom de votre joueur et vous vérifiez le prix le plus bas. Ça, je pense que vous savez faire. Vous ne cherchez pas en enchère, ce que vous cherchez, c'est en prix achat immédiat. Donc ce qu'il faut faire, c'est regarder le prix de votre joueur souhaité au prix le plus bas en achat immédiat. Ça, je pense que tout le monde sait faire. Après, c'est pas forcément mal non plus de chercher en enchère. Si vous arrivez à le trouver encore moins cher, ça vous fera encore plus de plus-value. Donc, n'hésitez pas à passer par les enchères pour essayer de le trouver le prix le plus bas. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut, c'est essayer de chercher le prix le plus bas. Vous voyez par exemple un joueur à 4000 crédits. Le prix le plus bas est à 4000. Si vous arrivez à le trouver en enchère à 3008, ça fera toujours 200 de crédit de plus que ce que vous allez pouvoir gagner en plus-value. C'est-à-dire que si vous l'achetez à 3008, ne partez pas du principe que le prix le plus bas est 3008. Vous partez du prix le plus bas en achat immédiat. Si vous arrivez à le trouver à 3008 en enchère, vous partez bien de 4000 qui est le prix le plus bas en achat immédiat pour la suite de la vidéo. Ensuite, ce qu'il faut pour le joueur que vous allez acheter, faut il faut qu'il ait au minimum 7 contrats et 90 de forme. Ça, c'est une prérogative pour que le nombre de contrats soit un peu moins élevé, mais également que derrière 90 de forme, si vous êtes au-dessous, les joueurs vont commencer à être moins intéressés par votre joueur. Évidemment, le mieux, c'est que le joueur ait encore plus que 7 contrats, comme ça éviterait que vous en mettiez 3. Parce que pour le minimum, c'est 3 contrats, 2 de 28 et 1 de 13 ou 1 de 10, ça dépend. Donc évidemment, si le joueur en a 16, ça veut dire que vous n'utiliserez que 2 cartes de contrat, et donc là c'est encore mieux. Et 90 de forme, ça serait super, mais bon, ça après, ça c'est vraiment utopique, et essayer de trouver des cartes comme ça, c'est pas toujours évident. Évidemment, encore plus utopique, si vous trouvez le joueur avec un style, évidemment, c'est encore mieux. Après lui avoir acheté votre joueur, donc on va dire que vous l'avez trouvé à 3008 au lieu de 4000, vous allez essayer de le faire monter, pas essayer, vous allez le faire monter à 99 de contrat. Donc là, vous mettez autant de cartes qu'il faut pour pouvoir y passer. Si c'est un joueur à 7, comme je vous dis, il faudra deux cartes à 28 et une carte à 13 ou une carte à 10 si vous arrivez à en trouver une à 150 à peu près crédit. À l'heure actuelle, les crédits, là je parle évidemment sur PC, je ne sais pas exactement sur console quels sont les prix, mais ça c'est à vous de regarder, soit sur Footbin, soit sur Foothead, ça vous regardez. Et en général, pour moi à l'heure actuelle, pour me faire monter un joueur à 99 qui est à 7, ça me coûte à peu près 750 crédits.
Donc ensuite, pour calculer son prix de revente, c'est là où ça commence à devenir un peu plus compliqué. Donc je vous ai fait exactement les marges que moi j'utilise, en tout cas que j'utilisais, parce que là je suis passé à des joueurs bien supérieurs, donc je n'utilise plus les deux techniques que je vous donne. Donc moi je ne serai pas réellement impacté, mais tout simplement c'est que c'est au-delà d'un certain nombre de crédits. C'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est celui qui va passer beaucoup de temps dans l'achat-revente et qui va essayer de trouver les joueurs. Là pour le moment, moi je suis concentré entre des joueurs entre 100 000 et 300 000 crédits. Ça m'arrive de faire des achats plus élevés, mais pour le moment j'utilise plus cette technique, tout simplement parce que c'est pour des joueurs un peu moins chers. C'est surtout pour lancer votre bankroll, j'allais dire, c'est encore le poker qui parle, votre balance, en tout cas en nombre de crédits. Donc par exemple, si votre joueur vous l'avez acheté à 3008, on va dire comme moi vous lui avez rajouté des contrats à 750, ça fait 4550. Donc là vous prenez ce que je vous mets dessous, donc un joueur entre 2000 et 6000, 4550, vous lui mettez 5%, ce qui fait à peu près qu'il faut le mettre à 5500. Donc votre joueur que vous avez acheté 3008, vous allez le mettre à 5500 crédit en achat immédiat. Donc vous mettez 5500, 5400 et en enchère, et 5400, 5500 en achat immédiat. Quand vous arrivez à ce prix-là, derrière ça englobe évidemment la taxe d'Electronic Arts qui elle sera de 5%. Donc 5500, vous enlevez les 5% d'Electronic Arts. Je rappelle la technique pour calculer ça rapidement. 5500, vous enlevez 0 de la fin, ça fait 550, que vous divisez par 2, ça fait 275, et ça sera le prix de la taxe. C'est comme ça qu'on calcule les 5%. Donc 5500 moins 275, ça fait qu'il nous restera 5225, et 5225 moins 3000, on aura fait plus de 1400 crédits de bénéfice sur un seul joueur. Non, un peu moins quand même, un peu moins, parce que il nous sera coûté 4550. Non, je dis des bêtises, ça fera 700 crédits de bénéfice sur un seul joueur, ce qui est plutôt honnête. Et ça, c'est surtout la quantité de joueurs que vous allez être capable de faire qui va faire la différence. Donc on va prendre le cas de Cavani. Alors, donc là, on va sur personnel, c'est juste pour vous montrer ce qu'il faut en nombre d'entraîneurs rares. Donc là, vous voyez, j'en ai 17. Donc là, c'est le plus important. Donc Cavani, on va taper. Donc 5400 à peu près le prix. Donc là, j'ai de la chance, c'est bien ça. Donc on voit que ça a 5000. Est-ce qu'il y en a? Non, c'est bien 5000 le prix le plus bas. J'ai vu quand même, donc il a bien 7 de contrat, donc ça c'est vraiment intéressant, je vais l'acheter. Vous voyez, il avait quand même 400 de moins que le prix suivant le plus bas, donc je vais le mettre dans mon équipe active. Hop. Donc je le prends, je vais appliquer mes contrats. Donc là vous voyez mon coefficient multiplicateur qui est de 50%. Voilà, c'est vraiment important de l'avoir. Donc ma nouvelle valeur, au lieu d'être à 35, va être de 49. Donc là, je vais lui en mettre un deuxième. Et je vais en mettre un plus petit de 10 seulement pour finir. Je vais juste vous montrer quand même les prix à l'heure actuelle, quand même pour les contrats, pour qu'on soit d'accord, que je vous dise pas n'importe quoi non plus. Donc dans les contrats or, si je descends. Non, pas comme ça, je vais faire un achat instantané pour voir. Hop. Les prix, donc à 450, 450, 500, à 350, bon celui-là, je vais l'acheter, parfait, c'est-à-dire qu'il doit y en avoir d'autres sûrement à 350, je vais regarder sur la deuxième page, je vais passer en acheter instantané pour voir, on va mettre 350 et voir s'il n'y en a pas d'autres, c'est vraiment intéressant à ce prix-là, sur d'autres pages peut-être. Eh oui, il y en a, bon, il y en a plein même. Il y en a plein. Il y a peut-être même la possibilité peut-être d'en trouver à 300. Il y en a même à 300. Donc vous voyez, il y en a vraiment qui sont intéressants. On va en reprendre un deuxième. Acheter, c'est ce qu'on a dépensé. Donc ça fait 750, 700 à peu près. Et après, il faut rajouter 150 pour un tout petit contrat comme l'autre que j'ai rajouté. Donc on va le mettre sur la liste des transferts.
Donc, on va sortir la calculette pour pouvoir faire le prix. Donc, ça fait. Donc, les 5000 de départ, plus les deux contrats gros 350, plus les 150 du petit contrat. On a dit que c'était 20% qu'il voulait faire, donc fois 1,2. Ce qui nous donne 7020, donc toujours on revoit un tout petit peu à la baisse, donc là 7020 on va mettre à 7000. C'est 9 et 1, 7000, et voilà, c'est listé, et donc c'est parfait. Ouais. Donc maintenant, les avantages de cette technique, c'est surtout la plus-value. Ça peut permettre de faire quand même des bonnes plus-values. Plus de 15% sur un joueur, ça commence déjà à être intéressant. Et en sachant que si vous arrivez à le trouver en achat, en enchère, je veux dire, ça peut devenir encore plus intéressant de faire cette technique-là. Ensuite, malheureusement, les inconvénients, c'est que vu que le prix est plus élevé, souvent les joueurs vont chercher, et en tout cas les joueurs qui vont acheter avant vont chercher des joueurs les moins chers possibles. Et c'est pas là où ça va faire la différence, c'est quand votre joueur va se retrouver en première page. C'est-à-dire sur la première page, c'est là où les joueurs vont commencer à regarder et se dire, ah tiens, c'est intéressant, lui il a 99 de contrat, ça évitera que je rachète. Et sur la même page, il va peut-être pas y avoir énormément de joueurs qui vont être pas chers tout simplement parce qu'ils se seront vendus avant. Les prix intéressants ne seront plus forcément en première page parce qu'au fur et à mesure de l'heure qui se sera écoulée, les joueurs qui étaient moins chers que les vôtres, ou en tout cas beaucoup moins chers, seront partis. Donc votre joueur qui va être à 5500 au lieu des 3008 auxquels vous avez acheté, et on va dire les 4003 où il y a beaucoup de joueurs, tous ces joueurs-là seront sûrement partis et le prix le moins cher sûrement en première page sera de 4007, 4008. Et donc votre joueur ne paraîtra pas si cher que ça par rapport aux autres. Et le fait qu'il soit à 5005 avec 99 contrats, il sera aux yeux des joueurs récréatifs beaucoup plus intéressant qu'un joueur à 4008 ou 4009 qui aura 5 ou 6 contrats, etc. Donc c'est l'avantage de faire des plus belles plus-values, de se vendre assez rapidement quand même, hein, mais faut bien compter à mon avis 2-3 listes avant que de réussir à le vendre. Ensuite, forcément, comme je vous disais, c'est forcément à la fin que ça peut se vendre. Votre joueur, il y a rarement des joueurs qui vont monter jusqu'à 5008 pour regarder le Cavani s'il arrive à en trouver une vingtaine avant. Donc, c'est forcément quand il sera en dernière page et que tout ça se sera écrémé des prix les plus bas et que forcément les prix les plus bas seront, comme je vous dis, à 4007, 4008. C'est là où ça commencera à devenir intéressant pour vous et c'est là où ça se vendra. Donc en gros, vous n'avez de chance de les vendre à peu près que dans les 5 dernières minutes avant la fin de vente. Avant, c'est quasiment mission impossible. Je ne pense pas que vous les arriveriez à les vendre. Et ce qui fait que forcément, s'il n'y a que 5 minutes pour représenter, on va dire, une heure complète, il faut faire au minimum 12 listings pour représenter une heure complète. Donc, et encore en fonction des joueurs, parce que là il y a tellement de joueurs avec les happy hours, etc. qu'il y a eu, qu'au final on se retrouve des fois en première page à y rester que 1 à 2 minutes maximum. Donc là ça peut devenir comme à commencer à devenir dangereux et difficile à vendre. On va passer sur la technique style. Donc la technique style, pour cette technique, il faut surtout regarder le joueur le prix le plus bas en achat immédiat. Évidemment, encore comme tout à l'heure, vous pouvez l'acheter en enchère, c'est pas gênant, au contraire c'est même mieux, ça va vous permettre de faire encore plus de plus-value sur le joueur, mais il faut toujours se baser par rapport au prix d'achat immédiat pour commencer à utiliser la technique. Ça fera juste pour vous, comme tout à l'heure, de 3008 à 4000, 200 crédits de bénéfice en plus. Après avoir déterminé le prix le plus bas en achat immédiat, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de regarder jusqu'à 20% du prix supérieur entre 300 et 2000, les jours entre 300 et 2000, 10% entre 2000 et 5000, etc. Basez-vous par rapport à ça, par exemple, un joueur qui va être à 1000 crédits en prix le plus bas, vous allez regarder, son prix le plus bas c'est 1000, il n'y en a aucun qui a un style. Donc ok, et donc là pour ce joueur à 1000, vous allez monter jusqu'à 1200. Jusqu'à 1300, pardon, et vous allez regarder s'il y en a un qui a un style avec toujours 7 contrats,
Alors, je vous mets la ligne suivante. Toujours 7 contrats, 90 de forme et un style. Mais pas n'importe lequel quand même. Il faut que le style soit forcément en rapport avec son poste. Vous n'allez pas mettre un charnière ou un truc comme ça à un milieu offensif. Là, vous allez lui mettre un maestro, un architecte ou quelque chose qui correspond en tout cas à son poste, à un attaquant, à un sniper ou un finisseur. Mais vous ne lui mettez pas Rock par exemple. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour son poste. Donc sur le joueur à 1000, vous montez jusqu'à 1300, vous regardez s'il y a un joueur avec un style, et s'il y en a un, vous allez pouvoir le revendre par rapport à ce que je vais vous mettre ci-dessous. Mais attendez pour le moment, si vous ne trouvez pas de joueur, vous faites plusieurs joueurs, vous n'arrivez pas à en trouver avec du style, mais que vous trouvez des joueurs par exemple en achat immédiat, je sais pas, à 4000, et il y en a un en achat immédiat ou en enchère que vous arrivez à acheter à 3004, on sait jamais. Là, ce que vous allez faire, c'est d'acheter un style. Vous allez sur style et vous allez acheter un style qui correspond en tout cas aux qualités de votre joueur. Si c'est un attaquant, choisissez finisseur. Vous l'achetez pour 250 crédits, ça coûte quasiment rien. Et pour par exemple un milieu de terrain, vous achetez architecte, ça coûte quasiment rien non plus, ça coûte à peine 200 crédits. Donc vraiment faites ça si vous trouvez des joueurs qui sont vraiment au-dessous du prix minimum, c'est-à-dire que s'il y en a 5 ou 6 à 4000 et il n'y en a qu'un seul à 3004, celui-là vous l'achetez, vous lui mettez un style et vous partez des 4000 pour pouvoir faire votre plus-value. Donc on le met en vente instantanément et donc la marge entre 0 et 2000. Donc on va prendre notre joueur à 3004, donc c'est 20%. 3004, on va lui acheter son style. Donc pour un attaquant par exemple, hop, ça va le faire monter à 3650. C'est pas gênant. Ce qu'on fait, c'est que les 250, on va pas les rajouter aux 4000. D'accord? On fait pas 4000 plus les 250 qu'on investit, non. À part si par exemple on l'achète 3009 et là on va rajouter les 250 pour ça fait 4150. Et à partir des 4150, on va faire nos 20%. Donc les 20% de votre joueur à 3650 sont à partir des 4000. D'accord? Donc 4000, c'est le prix le plus bas. Il faut se baser sur le prix le plus bas du joueur en achat immédiat, outre le vote que vous avez acheté. Donc à 4000, vous lui faites 20%, c'est-à-dire que votre joueur de 3650, vous allez le remettre en vente à 4800 crédits. Donc 4800 crédits, toujours comme tout à l'heure, ça fait 480, ça fait 240, 4800, ça fait 4560. Donc votre joueur que vous aurez acheté en mettant un style à 3650, vous allez le revendre quasiment 1000 crédits de plus. C'est vraiment une bonne technique pour pouvoir faire des bonnes plus-values. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre le cas de Cavani, on va prendre le cas d'Ibarbo. Parce que Cavani ça marchait pas forcément, tout simplement parce que j'arrivais pas à trouver de joueurs avec des styles sur Ibarbo non plus, et je me suis concentré sur Ibarbo. Allez, on voit la vidéo. Donc sur Ibarbo, donc on va rentrer son nom, on va regarder le prix le plus bas, donc c'est dans les 4005 à peu près. Je suis vraiment bon buteur. Donc 4005, donc là on voit qu'il n'y a pas le prix le plus bas. On va monter jusqu'à 4008, donc là ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au pourcentage, et on va regarder si on en trouve avec un style. Donc là il y a marquage, donc là que tu vois, vous voyez qui était vraiment intéressant. Bon, je le prends pas parce que je voulais vous montrer l'autre technique de style par rapport au fait d'acheter le contrat, mais celui avec marquage avec 9 contrats plus 80, au moins 90 de forme et un style, c'était vraiment intéressant. Bon, après, comme je vous disais tout à l'heure, là celui-là n'était pas vraiment en adéquation avec le poste d'Ibarbo. Marquage, ça n'a aucun intérêt. Donc c'était pas le plus intéressant, mais vu qu'il avait un style, c'était pas mal. Donc là, on va prendre le prix le plus bas, c'était 4003. Je vois que les autres étaient à 4005. Donc on va aller dans consommable, on va chercher un style. Donc or, on va prendre finisseur, comme je vous disais, qui marche bien. Les prix 400, 400, maintenant on va revenir. Je pense que si on met 200, 300 ou 250, on va trouver sans souci. Hop. 300, donc il y en a même à 250, donc on va les acheter. Hop. Donc ça nous fait bah, nos 4300 plus nos 250. Donc on va tout stocker dans le club. Donc on va prendre. Ah, je me suis trompé, c'est le gardien. On va prendre Ibarbo.
Hop. On va lui mettre son style. Donc style, on prend celui qu'on a acheté tout à l'heure. Donc finisseur, on l'applique. On va sortir la calculette. Donc on était à 4003. Plus les 250. Multiplié par 1,15, donc nos 15%. Donc ce qui nous donne 5232, donc on va le mettre en vente à 5000 crédits. Donc placé sur la liste des transferts. Allez hop, ça toi tu vas dans la liste. Donc Ibarbo on a dit 5200. Hop, voilà, listé. Et voilà. Donc les avantages, c'est des plus-values rapides et simples. Il n'y a pas plus simple. Si vous faites juste le prix le plus bas, ça vous prend 2 secondes. Ensuite, vous rajoutez le pourcentage que je vous ai mis dans la vidéo, là juste au-dessus, avec le PowerPoint. Vous regardez s'il y a un style ou il n'y a pas de style, s'il a 7 contrées et 90 de forme. S'il n'y a pas, mais que la différence est importante entre le prix le plus bas ou le prix que vous allez acheter, n'hésitez pas à acheter une carte style auquel vous avez rajouté. Et ensuite, vous prenez la marge que je vous conseille entre 0 et 2000, entre 2000 et 4000, et de remettre en vente à ces prix-là. Les inconvénients, c'est un tout petit peu la même chose que pour la Technic Avion. Ça va se vendre en dernière, quand vous serez en première page, et donc ça va pas se vendre en permanence, même si ça se vend un tout petit peu mieux que forcément la Technic Avion à d'autres moments que sur la dernière page, mais c'est vraiment très faible la quantité. Et le risque est de faire aussi plusieurs listes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me demander le PowerPoint pour pouvoir vous aussi pouvoir le suivre au fur et à mesure. Moi, je m'étais fait une feuille sur laquelle je m'étais mis les prix auxquels je voulais mettre et ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. À vous aussi de le faire évoluer parce que forcément les prix sont descendus et que peut-être que ce que je vous donne là ne demande qu'à être évolué et adapté également aux différentes plateformes. Si vous avez mis ça d'autres choses en place, n'hésitez pas à le partager avec moi, comme ça je le partagerai et je verrai avec vous si vous voulez faire la vidéo avec moi pour expliquer plus sur PS4, par exemple sur Xbox One, et on pourrait faire une vidéo commune pour expliquer ce que vous faites à l'heure actuelle. Je pense que ça pourrait être instructif pour tous les joueurs de console, parce que forcément moi je donne des idées par rapport au prix du PC. Après c'est à vous de l'adapter, en tout cas en fonction de la plateforme sur laquelle vous jouez. Donc c'était Robert87000, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas que tous les 50 000 abonnés, j'offre par tirage au sort 50 000 crédits. La dernière fois c'était sur Twitter. La personne de Twitter a reçu au bout de quelques minutes ses 50 000 crédits. Vous pouvez aller voir sur mon Twitter que c'est vrai. Donc n'hésitez pas à vous abonner dès que j'arrive à 50 000 vues et j'en suis à 49 600. Donc ça serait dommage de louper la possibilité de gagner 50 000 crédits, et c'est sur n'importe quelle plateforme, même si c'est sur PS4. Je m'en occuperai pour vous trouver les 50 000 crédits. Voilà, c'était Robert 87000. À bientôt, ciao.